Kobe taught us to be better. Don't cheat me. Push. Wake up every single day to get better today than you were yesterday. Whatever it takes. Better dreamer. Better waker. Better stretcher. Better walker. Better talker. Better walking the walk and talking the talk. Better blacker. Better sprinter. Better loser. Better winner. Just be better. Do the simple stuff right. Better form. Focus. Better friend. Better fighter. Better rider. Better eater. Better leader. Better generation. Better nation. Just be better. Can you do that? Let's go. Back at it. Better player. Better shooter. Better scorer. Better GOAT. Yep. Better GOAT. Better mentor. Better minor. Major. Mover. Shaker. Better skater. Better artist. Yeah. Better teacher. Better preacher. Better believer. Better first. Better future. Better hero. Again. Better hero. Better mother. Yeah. Better father. Better father. Better father. Better father. Better father. Better me. Better you. Better us. Mamba out. Better. Forever. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien en compagnie donc du Full Basket, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi sur ce podcast FMNBA. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA dans cette quotidienne. Allez, comme à notre habitude, on va commencer par quelques news avant d'enchaîner avec les résumés de ces matchs incroyables, une fois de plus, que nous avons vécu du côté d'Orlando. Alors, je vous rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission longue Total Africa NBA avec la question clé, le débat, la question, le spécial débat avec la, cette question, Joel Embiid doit-il demander son trade des Sixers de Philadelphie? Alors si vous n'avez pas suivi ce débat, je vous invite à vous connecter sur le site officiel www.radioff.net pour suivre bien entendu nos réflexions sur le sujet. Bien entendu, dans cette quotidienne, on fera le point sur les dernières news et ensuite les matchs chauds. On a envie de partager avec vous cette belle nuit réelle que nous a offerte, que nous a offert Luka Doncic. Ça avait déjà démarré avec bien entendu le talk show, puisqu'on a parlé de son match incroyable face aux Clippers dans l'édition longue. On avait vu le moment en direct, donc voilà, vous pouvez le revivre avec nous dans cette émission longue. Mais on va reparler, on va revenir sur cet incroyable exploit de Luka Doncic. Vous le savez, nous sommes dans la Kobe Week, hein. C'est le moment de se remémorer, de repenser à Kobe, c'est normal. C'est la raison pour laquelle cette émission, vous avez vu, on a démarré par cet hommage réalisé par Nike pour Kobe Bryant avec Kendrick Lamar. Donc c'est le moment de penser à Kobe et on repense aussi à ce qu'a déclaré LeBron James. LeBron James qui avait expliqué qu'il n'y a pas une semaine, il ne se passe pas un jour sans qu'il ne pense à Kobe Bryant. On rappelle qu'il est décédé le 26 janvier dernier dans un accident d'hélicoptère avec 8 autres personnes, donc sa fille Gianna. On rappelle que lundi, donc, les Lakers porteront un maillot Black Mamba pour lui rendre hommage au lendemain donc aujourd'hui, hein, ils vont porter un maillot Black Mamba pour lui rendre hommage au lendemain de son anniversaire, mais ils n'ont pas attendu ce jour pour se souvenir de lui, puisqu'il raconte qu'à chaque entraînement, chaque entraînement des Lakers se termine par un cri 1-2-3 Mamba, et l'ombre de Kobe qui plane toujours sur cette équipe, et ce, depuis sa mort. Alors il y a quelques déclarations d'Anthony Davis dans les médias. Il a déclaré: il ne se passe pas un jour sans qu'on pense à lui, on n'oublie pas ce qu'il a fait pour les Lakers et le monde entier. Aujourd'hui, on a la possibilité de finir la saison et de le rendre fier. On sait ce qu'il aurait voulu. Il aurait voulu qu'on se donne à fond pour amener un nouveau titre à la maison. À chaque fois qu'on met le pied sur le terrain, on joue en sa mémoire.
Anthony Davis qui le soir dans sa chambre pense à Kobe Bryant. Ce dernier l'avait pris sous son aile, on le rappelle, très tôt lors des Jeux Olympiques en 2012 et il ne cessait de lui apporter des conseils. Alors quand Anthony Davis se loupe, comme dans le premier match face aux Blazers, il réfléchit et il déclarait « Je me suis dit, qu'est-ce que Kobe m'aurait répondu si je lui avais envoyé un SMS ou demandé un conseil, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce qu'il dirait ?» La seule chose qui me vient en tête, c'est que je sais qu'il m'aurait dit « Joue encore plus dur, donne tout sur le terrain. » T'es-tu donné à fond dans ce Game 1 ? As-tu tout donné sur le terrain dans ce Game 1 ? Donc voilà un peu les questions que Kobe lui aurait posées. Voilà les réflexions d'Anthony Davis sur Kobe. Concernant LeBron James n'oublie pas cette paire de chaussures que Kobe lui avait offert alors qu'il n'était qu'au lycée. Elle n'était pas à sa taille, mais il les porte encore aujourd'hui. Il a déclaré « Tous les jours dans mon vestiaire, j'ai l'équipement des Lakers et j'ai ses chaussures. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un clip de son Game 1 des finals face au Magic. J'ai vu comment il avait dominé avec ses 40 points, 8 rebonds, 8 passes. C'est impossible d'éviter ça et ça me va absolument. Simplement, c'est impossible de ne pas penser à lui. Et je ne le veux pas. » Donc voilà un peu pour quelques réflexions de LeBron James et d'Anthony Davis sur Kobe. Je pense que vous aussi, vous allez forcément y penser. Et bien entendu, c'est normal. Hein. Ça fait partie des événements de la vie. Avec cette disparition tragique qui restera dans nos mémoires. On enchaîne avec la suite des émissions. On enchaîne avec la suite des news. Allez les amis, donc j'annonce donc les matchs qu'on va partager avec vous. Nous sommes en plein game 4 pour la nuit. On va donc partager le match qui a opposé les Celtics aux Sixers de Philadelphie, les Clippers face aux Mavericks de Dallas, les Raptors de Toronto face aux Nets de Brooklyn et les Nuggets de Denver face aux Jazz d'Utah. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti pour cette quotidienne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. To their starting lineup, of course still without Ben Simmons. Underway, and symbolic of the issues he's had so far. He's taking the right shots, he's just not making a mark. Jaylen Brown making his three right there. The Celtics back to within one. Horford working from the elbow. Embiid from the other elbow and a nice looking stroke. I mean, it's a 7-foot, 250 pounds. He'll make this easy jumper. Walker inside. Great pass by Tatum to Cantor. And real Richardson out front. Off the Embiid. Ouais les amis, on enchaîne avec le résumé des matchs de la nuit. Vous l'aurez compris, on va commenter, partager avec vous l'histoire de ce match, ce dernier match qui a donc le sweep des Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui avaient donc bien entamé leur rencontre avec notamment quelques fautes provoquées pour alimenter le score sur la ligne des lancers francs et un tir primé de Shaq Milton 9 sur 5 avec Brown en réussite de loin et avec l'aide de Kemba Walker. Les Celtics ont répondu par un 8-0 pour prendre la tête du match, mais le trio Joel Embiid, Tobias Harris et Al Horford a permis aux Sixers de bien finir le carton alors que les Celtics étaient maladroits en attaque. En la faveur d'un 13-2, les Sixers sont retrouvés en tête 28-22 et finalement 31-26 après 12 minutes avec aucun ballon perdu et 14 sur 19 sur la ligne des lancers francs. Walker et Case ont démarré fort le second carton avec deux tirs à 3 points chacun pour reprendre la tête 42-39 avant une réponse de Burks. Les deux équipes ne se sont alors plus lâchées d'une semelle et on a eu droit à un chassé-croisé jusqu'à la mi-temps avec les Sixers en tête d'un point avec un seul ballon perdu malgré les 20 points de Walker 58-57. Intenable, Kemba Walker a donc remis les Celtics en tête avec l'aide de Jason Tatum pour un 12-6 qui a donné l'avantage aux Celtics 69-64. Mais les Sixers se sont accrochés grâce à Al Horford et surtout les tirs à 3 points de Raul Neto et Burke 77 partout. Puis le match a basculé, Grant Williams laissé seul dans le corner a planté un tir à 3 points puis après un échec des Sixers, Tobias Harris a fait une violente chute, la tête la première et il a dû abandonner ses coéquipiers. Victime d'une lacération à l'œil gauche. Et cela a coïncidé avec un terrible run encaissé par les joueurs des Sixers. Jason Tatum a pris les choses en main
et a enchaîné panier après panier, donc un dernier tir à 3 points pour permettre aux Sixers, aux Celtics, pardon, de conclure le carton sur un 12-0. Le score était de 89-77. KO debout, les Sixers ont vu les Celtics poursuivre ce run qui est devenu un 19-2, 97-79. Le match était terminé, game over. Les Celtics ont très bien géré leur avance sans laisser les Sixers reprendre l'espoir, même si ces derniers ont réduit sensiblement l'écart dans les deux dernières minutes. Vous l'aurez compris, un énorme match de Kemba Walker qui a été excellent avec 32 points, 8 sur 15 au tir, 4 sur 9 à 3 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 contres. Tout comme Jason Tatum, grand artisan du run fatal des Celtics, auteur de 28 points à 10 sur 18 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 15 rebonds. 15 rebonds les amis, record en carrière de la part de Jason Tatum. 4 passes et 2 contres. Jaylen Brown a ajouté 16 points. Il était à 6 sur 15 au tir, 2 sur 9 à 3 points, 5 rebonds. Côté Sixers, le Camerounais Joel Embiid a compilé 30 points, 8 sur 18 au tir, donc 1 sur 5 à 3 points. 10 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Tobias Harris a ajouté 20 points, 7 sur 12 au tir, 5 rebonds, mais a dû quitter ses coéquipiers en fin de 3ème carton suite à une lourde chute qui a coïncidé avec un run des Celtics. Al Horford a compilé 12 points, il était à 6 sur 10 au tir, 9 rebonds, et Shake Milton 14 points, 5 sur 11 au tir, 4 rebonds. Alex Burks sort du banc pour signer 13 points à 6 sur 16 au tir. Les Sixers ont payé leur manque d'adresse avec 42%, donc 8 sur 33 à 3 points, alors que les Celtics ont chuté à 46%. Ils étaient à 12 sur 35 à 3 points. Mission accomplie donc pour les Celtics de Boston, qui ont donc sweepé les Sixers avec cette dernière victoire 110 à 106. Ils ont construit cette victoire en une accélération entre la fin du 3ème quart-temps et le début du 4ème quart-temps, avec un terrible 19-2. Qui a détruit la volonté des Sixers. Désormais, les Celtics attendent leur prochain adversaire, à savoir les Raptors de Toronto de notre cher Pascal Siakam. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. So a very, very small lineup for the Mavericks with Doncic, Burke, Hardaway. It's his left ankle, and it looked like a serious injury the other night. Trey Burke easily gets to the bucket the other way. Nice feed inside. Zubac blocked initially. Still got the shot off. Stripped down low. Both teams struggling to shoot early. Just 2 for 9 combined. Leonard, the high percentage shot. And he thought there was over 33 per game in this series. And only made 4 three-point shots. Isn't that incredible in today's NBA? Is Trey Burke. You know who doesn't despise him? Doc Rivers. Absolutely. Allez les amis, on enchaîne avec ce résumé, le résumé de ce match incroyable, incroyable je vous le dis, avec un Luka Doncic une fois de plus stratosphérique. Luka Doncic est véritablement l'élu du basket, et si vous faites partie de ceux qui en doutent, je vous invite véritablement à regarder de près les highlights de ce joueur sur YouTube. Il est tout simplement incroyable. Très très peu de joueurs arrivent à ce niveau de talent, cette pureté dans la connaissance, en tout cas dans l'expérience que l'on a, dans le talent au niveau basket pur. Et ils sont très très peu à pouvoir véritablement se mettre aux côtés de ce joueur extraordinaire. Au-delà bien entendu de tout ça, ces adjectifs destinés à sublimer ce que je ressens par rapport à Luka Doncic, on va raconter le match, ça va être plus simple. On raconte que dans le sillage de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers se sont vite installés devant au tableau d'affichage 11-5 face à une équipe des Mavericks très maladroite au tir. Les Clippers se sont même envolés dans une excellente entrée en jeu de Reggie Jackson, auteur de 2 tirs à 3 points coup sur coup, pour faire passer les Clippers devant 28 à 13 sur un 24-8. Boban Marjanovic a stoppé l'hémorragie avec 2 paniers de suite pour initier un 9-2 avec l'aide de Seth Curry, 28-22. Après 12 minutes, les Clippers menaient logiquement 34-24 avec un vilain 1 sur 9 de loin des Mavericks. Le début du second quart-temps avec Luka Doncic, super Luka sur le banc, et les deux second units ont été très compliqués pour
les Mavericks en grande difficulté en attaque, mais aussi en défense avec un Lou Williams intenable. Les joueurs de Doc Rivers ont démarré sur un 18-7 pour mener 52-31 alors que les Mavericks shootaient à moins de 40%. Mais le retour en jeu de Luka Doncic a fait énormément de bien. Les Mavericks ont enfin pu faire un run avec un gros passage du duo Doncic-Burke qui ont inscrit la majorité des points, dont 15-2, qui a relancé totalement le match. 57-50. Shamet a mis un terme au run de loin, mais les Mavericks se sont accrochés après 24 minutes. Tout était encore possible. 66-58. Les Clippers menaient sur un dernier panier de Zubac. Les Mavericks ont effectué un énorme début de seconde mi-temps dans le sillage de Super Luka. Luka Doncic, incroyable meneur, a disséqué la défense des Mavericks pour scorer ou servir ses coéquipiers. Avec l'aide de Brooke, Boban et THG, il a permis aux Mavericks de passer un terrible 14-0 qui a permis à Dallas de revenir et de passer devant à la faveur d'un 21-3, dont un 14-0. Les Clippers n'arrivaient plus à rien en attaque, à l'image d'un Paul George encore catastrophique, 84-75. C'est finalement Reggie Jackson qui a débloqué les Clippers qui ont retrouvé un peu d'adresse avec également un tir à 3 points de Kawhi Leonard. Mais Super Luka Doncic a continué son festival pour permettre aux Mavericks de mener au score 93-85 après 3 cartons grâce à 19 points dans le carton. Et déjà, il était déjà en triple-double les amis avec 28 points, 11 rebonds et 12 passes décisives. Sans Super Luka Doncic, cette fois, les remplaçants des Mavericks ont tenu le coup et même mieux avec les extérieurs Curry, Burke, TSG, malgré les assauts de Lou Williams qui avait ramené les Clippers à 5 points. Mais les Mavericks ont répondu par un 9-2, 106-94 sur un shoot de loin. Shamet a remis les siens à 7 points et Super Luka Doncic a fait son retour en jeu. Il a permis aux Mavericks de reprendre un peu d'air avec l'aide de Seth Curry, mais le duo Morris-Lou Williams a fait un très gros passage et ramené les Mavericks Donc le duo Morris et Lou Will ont fait un très gros passage et les Dallas sont revenus à 2 points suite à 2 ballons perdus de Doncic, 110-107. Le match est alors devenu un peu fou. Avec 2 gros shoots à 3 points de Super Luka Doncic, un de THG, auquel Lou Williams, Jackson et Leonard ont répondu 119-117. Kawhi Leonard a fait faute sur THG, mais il n'a rentré que 2 de ses 3 lancers francs et Kawhi Leonard derrière a réduit l'écart à 2 points. Luka Doncic a raté sa tentative et Lou Williams a obtenu 3 lancers francs, donc 2 réussis pour une égalisation 121 partout dans la dernière minute. Seth Curry a raté sa tentative et a offert une chance aux Clippers, mais Kawhi Leonard a échoué. Prolongation. Les deux équipes se sont répondues coup pour coup dans la prolongation, notamment Kawhi Leonard et Trey Burke pour un chassé croisé. Sur un 2-1, Lou Williams a mis le sien en position idéale 130-128 avant la dernière minute. Mais Super Luka Doncic, qui était muet depuis quelques minutes, a égalisé au score 130 partout avec 50 secondes au chronomètre. Kawhi Leonard a échoué son tir et derrière, Super Luka Doncic a rentré un layup 132-130. Servi par Kawhi Leonard, Morris a planté le shoot à 3 points dans le corner, qui a donné un point d'avance aux Clippers, 133-132 à 9 secondes à jouer, suffisant pour laisser Super Luka Doncic, énorme rentrée, le tir à 3 points le plus énorme de cette série, de ce premier tour des playoffs, un 3 points qui a tué les espoirs, qui a tué définitivement les Clippers dans ce Game 4. Vous l'aurez compris les amis, Marcus Morris pensait avoir fait le plus dur avec son shoot à 3 points à 9 secondes du match. Mais Super Luka Doncic a signé les 7 derniers points du match. Un match dans lequel les Mavericks ont compté 21 points de retard. Super Luka Doncic a été aidé par le trio Trey Burke, 25 points. Tim Hardaway Jr., 21 points. Seth Curry, 15 points. En face, le duo Kawhi Leonard, 32 points, 9 rebonds, 4 passes. Et Lou Williams, 36 points.
13 sur 20, dont 2 sur 4 à 3 points, a été énorme. Paul George a encore vécu une soirée cauchemardesque avec 9 points, 3 sur 14 au tir, donc 1 sur 7 à 3 points. Une énorme performance de super Luka Doncic qui offre la victoire aux Mavericks au buzzer de la prolongation. Dallas gagne ce match d'un score de 135 à 133 sans Kristaps Porzingis et avec un Luka Doncic blessé à la cheville pour mettre les deux équipes à égalité à deux partout. Super Luka Doncic a sorti une performance légendaire dans l'histoire de la NBA avec 43 points, 18 sur 31 au tir, 4 sur 10 à 3 points, 17 rebonds, 13 passes et 2 interceptions. Rien à dire, fermez les rideaux. Luka Doncic, je vous le dis, il a été terrible, il a été incroyable. Alors on a vécu ce match en direct et je vous invite à suivre nos réactions dans Total Africa NBA. Vous serez encore un peu plus dans le truc. Mais véritablement, Luka Doncic est un joueur extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce joueur. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Gasol, the jump it up. Scott Foster puts the ball in the air. He's joined by Rodney Mott and Derek Collins. We're underway here at the Fieldhouse. Temple, the jumper to start play. Caris LeVert lines it up. Bottom. And they are in rhythm. Gasol, isolation with Allen. That sweeping move, he hits the Brooklyn. Allez les amis, on enchaîne avec ce dernier match, mais ce résumé qui a donc opposé ce match 4, les Raptors de Toronto face aux Nets de Brooklyn. Premier tour passé avec brio donc pour les Raptors de Toronto qui sweepent donc les Nets de Brooklyn 4-0. On rappelle que c'est le premier sweep de l'histoire des Raptors de Toronto grâce à une nouvelle victoire sur un score de 150 à 122. Malgré une rapide sortie sur blessure de Kyle Lowry, blessé à la cheville dans le premier carton, les Raptors ont pu compter sur de très bons joueurs. Donc Norman Powell, 29 points, 9 sur 14 au tir, 5 rebonds. Serge Ibaka, 27 points, 12 sur 14 au tir, 15 rebonds. Et Pascal Siakam, le Camerounais, 20 points, 9 sur 22 au tir, 6 rebonds et 10 passes décisives. Du côté des Nets, Caris LeVert a terminé meilleur marqueur des Nets avec 35 points, donc 26 points en première mi-temps, 11 sur 23 au tir, 6 rebonds et 6 passes. Toujours titulaire, le Français Timothée Luwawu-Cabarrot n'a lui cette fois pas réussi à régler la mire. Il a terminé avec 11 points, il était à 2 sur 12 à 3 points. Toronto a commencé à s'échapper au score en fin du premier quart-temps avant de réellement prendre le contrôle dans le deuxième quart-temps, profitant du manque de taille de leurs adversaires pour enchaîner au scoring à l'intérieur. Monté jusqu'à plus 17, il n'était devant que de 9 points à la pause, 77-68, en raison des réponses apportées par Caris LeVert du côté des Nets. Les réponses n'ont pas duré en seconde mi-temps du côté des Nets avec un 12-0 infligé par les Raptors. Donc 3 points qui ont doublé l'avantage, 94-70. Serge Ibaka a ensuite rentré 2 tirs à 3 points consécutifs en fin de 3e quart-temps pour le plus 27. Et Terrence Davis a réussi un shoot à 9 mètres au buzzer de la période qui apporte le score 116-87. Le 4e quart-temps n'a ensuite été qu'une formalité. Les Raptors, 55,4% de réussite sur le match, ont terminé la rencontre avec 22 sur 47 à 3 points, donc 19-50 pour les Nets qui ont été tenus à 39,8% au tir. Donc voilà, vous l'aurez compris, les Nets ont tout donné sur cette fin, mais c'était véritablement compliqué pour eux de gagner ce match. Victoire donc des Nets qui ont sweepé les Nets sur ce Game 4, 150 à 122. La seule mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Kyle Lowry à la cheville dans le premier carton. On attend de savoir un peu plus. On espère que ce n'est pas trop grave puisque les Raptors, le plus dur va maintenant commencer pour les Raptors de Toronto qui vont donc affronter les Celtics de Boston. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Jamal Murray, Monte Morris gets the start for Michael Porter.
It'll be Jokic and Gobert at the tap, and away we go, making a couple changes in there, so no Michael Porter Jr. They like him coming off the bench. Millsap, boy, they'd love to get him going. On an overtime in game one, led by Murray and Jokic. Murray went for 36, Jokic for 29 as paint points, second chance points. And Denver's been great all year defensively with second chance points. The reason why they're... Un autre match incroyable, les amis, c'est du côté de la conférence Ouest avec le Jazz, ce Game 4 qui a opposé le Jazz face aux Nuggets de Denver. On rappelle que mené 65-64 à la mi-temps, le Jazz a pris le contrôle dans le troisième quart-temps, dominé 33-24. La période réussit particulièrement bien à l'équipe de Quinn Snyder dans cette série, avec un plus 50 en tout dans la série sur les troisième quart-temps. Les Nuggets sont quasiment revenus à hauteur 109-108 à 4 minutes de la fin. Donovan Mitchell a obtenu la faute de Paul Millsap sur une contre-attaque. Il a rentré ensuite les deux lancers francs, puis Mike Conley a apporté 28.4 passes et est venu donner 5 points d'avance au Jazz sur un 3 points. Et le Jazz, également aidé par les 17 points, 11 rebonds de Rudy Gobert et les 24 points de Jordan Clarkson, n'a plus lâché l'avantage de ce match. Nikola Jokic a terminé avec 29 points, donc c'est rare de sa part. 3 dunks, il était à 2 sur 24, 7 rebonds, 6 passes. Le Jazz aura l'occasion donc de clore la série dans le Game 5 mardi. On rappelle qu'ils ont terminé à 57% au tir contre 49% pour les Nuggets de Denver. Vous l'aurez compris, Jamal Murray du côté des Nuggets a beau devenir... Jamal Murray a été énorme aussi hein, face au Jazz. Il a scoré 50 points. Il était à 18 sur 31, 9 sur 15 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc, 11 rebonds et 7 passes dans un des matchs les plus élevés de l'histoire de la franchise des Nuggets de Denver. Mais ça n'a pas suffi pour battre le Jazz parce qu'en face, Donovan Mitchell était lui aussi en feu. Hein, on rappelle qu'il avait déjà été auteur de 57 points dans le Game 1 qui avait été remporté par les Nuggets. Cette fois, il a scoré 51 points, les amis. 51 points de la part de Donovan Mitchell. 15 sur 27 au tir, 4 sur 7 à 3 points, 17 sur 18 au lancer franc, 4 rebonds et 7 passes. Donc 18 points dans le 4e carton pour offrir la 3e victoire en 4 matchs au Jazz d'Utah. Le Jazz qui bat donc les Nuggets sur un score de 129 à 127. Jamais dans un match, deux adversaires n'avaient marqué au moins 45 points dans un match de play-off. Mark Malone avait quelque peu modifié son 5 majeur après deux défaites dans le Game 2 et 3. Monte Morris, Jeremy Grant ont été titularisés et Michael Porter Jr. et Torrey Gregg sont sortis du banc. La première mi-temps a été serrée avec 12 changements de leader et 4 égalités avec une avance maximum de 8 points en faveur des Nuggets. Mais voilà. Ça n'a pas suffi pour cette équipe. Hein. Énorme Jamal Murray, je vous l'ai dit, 50 points. Mais en face, Donovan Mitchell a encore fait plus fort avec 51 points, les amis. Hein. 17 sur 18 au lancer franc, 4 rebonds, 7 passes pour donner la victoire à son équipe face aux Nuggets sur un score de 129 à 127. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA. Alors je vous ai invité à le faire et je vous invite une fois de plus à le faire les amis. Il faut à tout prix suivre, écouter l'émission longue hein, Total Africa NBA. On a enregistré cette nuit, on a enregistré dans la nuit à partir de 23h30 heure de Paris et on a clôturé ce talk show vers 1h30 voire 2h, 1h30, 1h45 de talk show. Grosse émission, on a fait le point sur la question clé, Joel Embiid doit-il demander le trade
du côté des Sixers. Est-ce qu'il doit quitter cette équipe des Sixers de Philadelphie? On vous pose la question. Vous pouvez répondre, vous pouvez réagir sur les réseaux et nous faire part de votre analyse personnelle. On n'oublie pas qu'on a vécu en direct aussi dans ce podcast le match incroyable de Luka Doncic que j'ai partagé avec vous aussi dans cette quotidienne. Et bien entendu, on a encore plein d'étoiles dans les yeux concernant ce match. Allez, je vous laisse avec avec ce résumé. Donc, on rappelle donc les Sixers qui se sont donc fait sweeper par les Celtics de Boston. Et la question clé, on vous l'a posée et on vous la repose encore. Joel Embiid doit-il demander son trade de cette équipe? Victoire donc des Celtics de Boston qui ont dominé une fois de plus les Sixers avec un énorme Jason Tatum, 110 pour les Celtics, 106 pour les Sixers de Philadelphie. Deuxième match, c'est Luka Doncic qui a tout fait à Kawhi Leonard et Paul George pour donner la victoire aux Mavericks. 135 pour les Mavericks, 133 pour les Clippers de Los Angeles. Du côté de la conférence Est, les Raptors Toronto qui ont clôturé la série face aux Nets sur un score de 150 à 122. Serge Ibaka et Norman Powell ont été les duos qui a boosté cette équipe des Raptors vers la victoire. On va simplement regretter la blessure de Kyle Lowry dans la première période. On espère que ce n'est pas trop grave. Donc, victoire des Raptors 150 à 122. Les Raptors qui vont affronter les Celtics en demi-finale. Et du côté des Nuggets face au Jazz d'Utah, victoire donc du Jazz sur un score de 129 à 127. Un duel mano à mano. Les deux joueurs qui sont regardés les yeux dans les yeux, littéralement dans le sens littéral du terme, puisque Donovan Mitchell a terminé le game avec 51 points. Jamal Murray en face a terminé le match avec 50 points. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux joueurs arrivent à dépasser les 45 points en playoff. Ça n'était jamais arrivé. Voilà les deux joueurs qui ont marqué l'histoire dans la nuit. On rappelle que nous sommes dans la semaine 24, la Kobe Week, voilà, donc on va repenser bien entendu à Kobe cette semaine, et voilà, ça fait partie de l'histoire de cette ligue que nous apprécions tant. Je vous remercie d'avoir été connecté, c'était Uncle Phil Basket, et je vous invite vivement à ne pas manquer l'émission longue que vous trouverez sur le site www.radio.net ou alors sur toutes les autres plateformes de podcast. Nous sommes littéralement partout. Vous ne pouvez pas nous manquer. Radio Alphonse Basket est à présent. Ce podcast FMNB est à présent terminé. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à ciao et à la prochaine. Restez connectés sur notre radio. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.